Attends, premières impressions d'arriver au Brésil, comment ça? Première sensation? L'Argélia peut être tant sonnée surprise africaine dans cette Coupe. Dans la Coupe du Monde, le voyage s'est très bien passé, alhamdoulilah. Ça va pas été trop long? Non, franchement, c'est très bien passé, on est dans très bonnes conditions, bien, on a bien dormi. Donc, voilà, maintenant le travail commence. Voilà. Comment vous sentez là, personnellement? Il y a eu de bonnes choses, il y a eu de mauvaises choses, donc il y a un peu de tout, donc, mais c'est bien parce qu'on a appris beaucoup de choses dans ce stage. Et voilà, et maintenant le plus important arrive, il faut juste être le jour J. C'est-à-dire de mauvaises choses, c'est-à-dire qu'est-ce qui manque un petit peu? Qu'est-ce que vous pensez qu'il manque? Défensivement, offensivement, quelques automatismes à refaire, mais rien de méchant, mais justement c'est dans les trucs comme ça qu'on apprend. Mais cette équipe elle a un gros potentiel, Inch'Allah. Une deuxième Coupe du Monde, quelle est la motivation principale pour toi? La motivation principale, c'est rentrer dans l'histoire du football algérien. Merci. Merci.